À 2 kilomètres à peine du 6e Forum mondial de l'eau, qui s'est tenu en France, à Marseille, a été inauguré le Forum alternatif mondial de l'eau. Cette initiative intervient pour dénoncer la grande foire des marchands d'eau et pour inventer un autre futur pour l'eau et pour l'humanité. Car de grandes entreprises, des banques, des multinationales ont la prétention de transformer une ressource naturelle et un droit humain reconnu par les Nations Unies en un produit supplémentaire pour le marché international. C'est un commerce aux dimensions gigantesques et très lucratives. Et pour cela, elles veulent édicter leurs lois aux gouvernements du monde entier sous la forme d'une déclaration interministérielle. Ce forum officiel est organisé par l'État français, la ville de Marseille et le Conseil mondial de l'eau. Celui-ci comprend les plus grandes entreprises de l'eau, Veolia et Suez, et son siège se trouve dans cette même ville de Marseille. Le forum alternatif, lui, a été promu par des organisations internationales, des associations de citoyens et des syndicats du monde entier. Face à la voix unique de l'argent, son objectif est de donner la parole aux autres voix de l'eau qui sont plurielles, qui résistent et qui proposent des alternatives sociales et environnementales à la crise mondiale de l'eau. Si d'autres rencontres ont précédé ce forum, à Florence, à Genève, à Mexico et à Istanbul, c'est la première fois qu'un tel succès populaire est au rendez-vous. Ce forum alternatif renoue avec les grands moments du mouvement altermondialiste, avec les premiers forums sociaux mondiaux faisant face au sommet de Davos. Le Forum alternatif mondial de l'eau, FAM 2012, relance et élargit le mouvement citoyen pour l'eau bien commun et pour sa gestion écologique et démocratique. Plus de 50 ateliers, des séances plénières sur le droit à l'eau et les femmes, ou la préparation de Rio +20, de grandes controverses, un forum des jeunes, ont vu se presser des milliers de participants. À noter encore la présentation d'un tribunal de l'eau, une marche citoyenne à travers les rues de Marseille, et une offre culturelle et artistique éclectique. Tout cela se déroulant autour de 11 axes thématiques, parmi lesquels l'agriculture, l'alimentation, le droit à l'eau, le changement climatique, la gestion de l'eau, les femmes et l'eau, les conflits et l'extractivisme. FAM met l'accent sur la dynamique des mouvements citoyens et associatifs. Des experts et des représentants venus de 60 pays, ce sont eux qui ont pu présenter leurs propositions de manière participative et ouverte. L'accès au forum était totalement libre. À l'opposé, le forum officiel faisait payer l'entrée 150 € par jour pour pouvoir simplement assister à certaines séances. Les réunions entre les États et les multinationales se tenant à l'écart du public pour se partager le gâteau du commerce mondial de l'eau. And pass the questions, the answers, interrogation. And he does it again. And she tries to grow before he grows.